Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la présentation de l'épisode de Robocraft. Donc on part encore une fois avec America for Freedom et je pense que ce sera une des dernières fois si on a encore une victoire. Enfin si tant est qu'on a encore une victoire pour que je puisse commencer à créer mon robot. Error connecting, ça c'est pas bon signe du tout. Ellipse. Ah bah non. Je ne dis plus rien, excusez-moi. Pardon. Je vous demande pardon. Alors. Vertigo. D'accord. Not found XX. Cross not found cross. D'accord. On va bien voir ce que ça va donner. Hein. Ils n'ont pas de sniper. Par contre, ils ont des SMG qui sont forcément plus efficaces que les snipers. Allons-y. C'est un petit peu risqué ce que tu fais, mon pote. Hop là, touché. Raté. Touché. 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 Oh, comment j'ai pu le rater? Oh, y'a un heal. Oh, merci mon pote. C'est sympa ça. C'est risqué mais c'est sympa. Aïe. Ok, le heal par contre ce serait cool. Excuse-moi, je sais que je reste pas en place. Merci. Wouh. C'est pas passé loin. Hop. Ils sont bien mieux organisés que nous. Hein. Hop. What? Ta là, ça pue là. Hop. Allez, cette queue, faut qu'elle revienne. Sans aucun mauvais jeu de mots, hein. Vite. Merci l'ami. Ouh. Pas passé loin, il faut qu'on récupère au moins notre tour. Hop. Même si je la sens pas trop la victoire, hein, je l'avoue. Bon, il joue d'équipe, hein, je dois reconnaître. Hop. Touché. Aïe. En parlant de toucher... Aïe. Ça pue. Bon. C'est pas grave. Ils sont plus balèzes que prévu quand même en face. Hein. A peut-être fallu faire ça plus vite. Merci. Hop.
Parfait. Ok. Ok. Touché. Touché. Même s'ils font extrêmement mal. Hop. Waouh. Il manque des ailes, hein, ça se sent. Oh nom de Dieu. Ils sont balèzes, hein. Là je sens qu'ils sont balèzes et je sens pas, tu sais, vous savez la différence des SMG, mais juste des gens qui jouent en équipe en fait. Donc c'est toujours sympathique entre guillemets. Par contre mon pote, je veux bien de ton heal. Il me reste un poil de cul à voir, mais il me saoule ce poil de cul. Hop. Voilà. Touché. Hop. Bla. Ok. Ok. Raté. Vous savez tous que je déteste ces espèces de trucs à savon. Fais gaffe, je suis encore armé. Ah putain, ouais, mais lui il va me défoncer. Vite, glisse. Merde, mais personne va venir m'aider, j'imagine. Hop. Touché. Raté. Merde, il s'est planqué, le sac. Fais chier. Touché. 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 Ah, il me reste plus grand chose. Merde. Bon, j'ai été défoncé. Je l'avoue. Pourquoi 30 secondes? En fait, le match est serré. Bon à savoir. Comment ça tirait dessus? Comment ça tirait dessus? Oh, ça fait mal. Joué, il t'a encore fait mal par contre. Hein. Vise l'armement, 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 l'armement. Hop, parfait. On y retourne. Hop, faisons-leur un peu peur. Raté.
C'est pas grave. On peut se permettre de mourir une fois de temps en temps. Hop. On rentrera à la maison quoi qu'il nous en coûte. Hop. Parfait. Non, moins parfait. En blanc. Ok. Allez. Allez. C'est bon. Putain, je teste ces foutus SMG. Regardez-moi d'où il tire. Touché. Tu devrais pas survivre. Oh. Boum. Respectez mon autorité. Allez, reprenez le point. Faites plus vite que 25 secondes pour reprendre le point. C'est moche ce truc. Hein. Oh la vache, par contre il fait de mal. Le gros canon au milieu il fait mal à mon avis. Oh merde. Oui, merci. On y retourne. Hop. 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 Eh ben c'est une victoire, chers amis, une victoire en bonne et due forme. Hein. En bonne et due forme, Jack. Hop là. Victoire. Encore une superbe victoire de canard. Bon. Ben c'est cool. C'est cool, cool, cool. On n'est pas trop mauvais en plus, je pense. 2600, 2800, ah, il y a 4200 quand même. Oh, si on est mauvais en fait, on est l'avant-dernier. Je pensais qu'on était meilleur que ça. Bon, bah écoutez. Combien de points on fait? 300 000? S'il vous plaît, un petit 300 000 points. Ah bah voilà, ça c'est pas trop mal. Bon. Alors maintenant, on va aller se faire du mal. Fou! Non, pas upload. Dismantle. Voilà. Edit robot. On en a 7. Ça devrait suffire. Donc. Hop. Voilà. Il y aura déjà une base là-dessus qui ressemblera à ça. Crac. Avec. Donc du coup, avec.
Oula, en plus ça m'invite comme ça, hein, rien à foutre. Avec. Voilà. Et donc... Voilà, déjà ça. Ce sera une bonne base. Hop. Spécial pilot seat. Voilà. Je pense que je vais pouvoir aussi mettre... Hop. Ça. Crac. Et crac. Voilà. Crac. Voilà. 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 Et... Si, si. Vous comprendrez pourquoi je mets pas des cubes, vous savez, les cubes particuliers là. N'inquiétez pas. Alors maintenant je vais mettre des cubes noirs parce que c'est mieux quand c'est noir. Pour l'esthétique en tout cas. Hop. Parfait. Ensuite, je vous montre que le début, hein, bien sûr. Hein. Vous verrez ensuite ce que ça va donner. Hop. Stupide. Hop. Les cubes noirs. Voilà. Hop. Là. Je me comprends dans ma logique, hein. Vous inquiétez pas. Hop. Non, pas cela. Un peu plus bas. Hop. Voilà. Je pense que vous commencez à comprendre ce qui se passe. Hop. Voilà. Et donc, justement. Hop. Crac. Donc voilà. Pour ça, on verra ça une autre fois. Hop. Et donc. Voilà. Voilà. Que ça fait trop large ou pas? Peut-être un petit peu, oui, effectivement.
Est-ce que je pourrais modifier quelque chose? Par exemple. Oh oui, tiens. Parce que j'ai envie que ça reste esthétique quand même, malgré tout, chers amis. Hein. Hop. Même pas, par contre, ça, par contre, l'intérieur, on va mettre du vieux machin. Hop, voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà aussi. Parfait. Voilà. Et donc aux extrémités, comme prévu. Les armes de destruction massive. Et donc, normalement, si je me suis bien... Oui, ça a marché! Oh mon dieu, génial! Donc, il faut que je m'achète deux grandes. Hop. Et donc, je voudrais voir la taille de ces fameuses grandes... grands rods. Ah, il m'en manque un bout. Hop. Alors, il faudra que je refasse ça. Que je le refasse, hop. Non, en fait, c'est pas si mal. C'était pas si mal. Comment je peux rendre ça bien? Ah si, je sais. Hop, attendez un instant. Hop. À l'avant, normalement j'en ai mis, donc c'est bon, je peux les récupérer. Et là, est-ce que ça passe au niveau des long rods? Ouais, si je les avais mis avec des cubes orange classiques. Ouais, non plus. Ou alors je fais un truc un peu plus insensé. Et on va voir si ça marche. Ah, c'est pas mal. Là, c'est mieux. Ok. Donc maintenant, un autre petit test. Est-ce qu'on peut rajouter quelques-uns des canons normaux que j'ai? Ah, et on peut pas les rajouter sur le haut du coup. Ah. Premier défaut. Ah si, voilà. Ok, c'est pas trop mal jusque là. C'est pas trop mal. Et à tout hasard, est-ce que je pourrais par exemple acheter... Hop. Et du coup, les placer, elle aussi, devant. Ok. Si je les place là... Ah, j'y ai cru. Mince.
Ou alors... Voilà, et là ça passerait. Pourquoi pas? Ok, donc là ça passerait pas au niveau de ça. Là non plus. Alors là par contre c'est beaucoup plus problématique si je peux pas les protéger. Ok. Et est-ce qu'avec... Ah j'en ai plus? J'en ai pas. Merde. Non, ça va être trop large. Déjà que celle-ci l'était, pardon. Si je souhaite les mettre directement là, peut-être. On va bien voir, hein. N'en veut pas non plus. Oh, c'est très très chiant ça. J'y avais pas pensé en fait. Et là. Là, ça ne passerait pas non plus. Eh bien, il y aura du boulot, hein. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la playroom, donc faire trouver les liens dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je pense que peut-être que je vais reprendre la construction dans le prochain épisode, comme ça, ça va vous donner la hype. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la playroom, à plus pour d'autres aventures sur Robocraft, salut les gens. Et yo.